Yo les gars, nouvelle vidéo, je suis obligé de vous la faire après le live. En fait, je voulais vraiment aller dormir et tout, mais vas-y, je suis obligé de vous la faire. Il y a trop de choses à dire, c'est une vidéo un peu actu, chose à savoir sur le carnaval. Parce que il s'est passé trop de choses en live pour ceux qui étaient là, c'était un live mythique, mais légendaire. Chaque fois que je live pour un portail, il se passe toujours une dinguerie. Et voilà, c'était légendaire. Bref, je vous laisse aller voir de toute façon. Nous, on est là. Alors, regardez. Il y a le portail qui est là. Tout simplement une chose à savoir. Donc la confirmation de, pour la globale, de les personnages qu'on n'a pas, qu'on va dropper, seront automatiquement mis LR 150. Du coup c'est trop bien pour la globale, pour les joueurs qui n'ont pas tous les personnages, qui n'ont pas tout débloqué. Tu peux débloquer les personnages directement LR. Du coup ça t'aide tellement pour ta box. C'est tellement bien. En plus de ça, du coup c'est trop bien. Tu as le coffre, quand genre t'arrives au coffre et que t'as la pitié du coffre, regardez juste ce qu'ils ont mis. Attendez, si j'arrive à le faire. Et où? Attendez, il y a un problème. Attendez. Pourquoi ça veut pas? Alors là, il y a un problème là. Putain, ça veut pas, je peux pas vous montrer les gars. Oh, fais chier. Ah putain, dommage. Je sais pas pourquoi ça veut pas les gars. Attendez. Je comprends pas pourquoi ça veut pas. Bon bah c'est tout. En gros, sur le total, vous avez un truc en plus qui était pas sur la pitié. Ils ont rajouté pour la globale. Voilà, pour la globale, quand Georges vous disait que la globale c'était la version finale, que la CIA, tout ça, c'était une version bêta. Est-ce que maintenant vous me croyez quand Georges vous disait que j'ai l'impression que la globale, ils font tout pour que la globale soit parfaite et que la CIA c'était encore une bêta 2.0. Pourquoi? Parce que comparé à la CIA, on n'avait pas une chose. Sur le coffre à Pity, ils ont rajouté un ticket SSR qui te permet de sélectionner tous les SSR du jeu et dedans, tu peux avoir Inami et Renji qui sont payables actuellement, et vu que leurs portails sont pas encore sortis, c'est ta seule chance de choper Inami et Renji qui est disponible parmi tous les personnages du jeu que tu as déjà du coup droppé logiquement, et du coup tu peux choisir n'importe quel personnage que tu veux. Et du coup regardez qui est-ce que j'ai pris en live, regardez, et voilà, elle est là, je suis trop bien, mon compte est Gotcher. Et regardez qui est-ce que j'ai aussi. Voilà. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ils ont mis la possibilité de tomber sur le ticket SSR qui te permet de choisir n'importe quel SSR. Et le pire dans tout ça, c'est que le taux de drop du SSR est de 40% les gars. Donc t'as une chance de fou furieux de tomber dessus comparé à Arima ou les autres objets. C'est monstrueux. Ils ont tellement carré ça. C'est incroyable. Du coup voilà, dommage que je peux pas vous montrer. Mais du coup voilà, le coffre, ils ont rajouté ça. C'est incroyable. Voilà. J'ai pas les mots. Écoutez, j'ai pas les mots. Voilà, écoutez. Donc c'est tout. Merde. Donc c'est tout, voilà, je voulais vraiment parler de ça. Donc ils ont rajouté le ticket SSR sur le coffre à Pity. Donc t'as une chance sur deux d'avoir le ticket SSR, donc en vrai c'est pas si mal. Parce que du coup tu peux avoir Inami si jamais tu l'as pas. Et sur la Pity, bah après c'est de la luck, tu peux avoir Arima quoi. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait là. Pour le carnival, c'est juste incroyable les gars, on se rend pas compte. Du coup voilà. Le ticket SSR où tu peux choisir n'importe quel personnage, ça carry tellement. Voilà, j'étais obligé en fait de faire cette vidéo pour vous en parler. Je sais même pas si j'aurais appelé la vidéo actu ou je sais pas quoi, mais j'étais obligé de vous faire cette vidéo pour parler de cette chose que nous la globale, on a la chance d'avoir. On a la chance d'avoir le coffre où t'as un ticket SSR où tu peux avoir n'importe quel personnage. Donc t'as quand même une chance d'avoir Inami. Voilà. Donc c'est tout. Donc j'ai assez pour refaire une multi. Donc je vais la faire dans cette vidéo. Parce que je vais continuer à pull sur Arima. Je vais essayer de focus des doublons. Alors par contre aussi le truc négatif que j'ai remarqué, le portail il reste que 13 jours. Alors que sur la CIA tout ça, ça restait beaucoup plus longtemps. Donc je comprends pas la douille du portail. Ça reste que 13 jours.
c'est très peu. Donc c'est chaud. Voilà, donc je m'attendais pas à ça. Donc comme j'ai dit, les développeurs sont random. Logiquement, le portail aurait dû rester longtemps. Peut-être que prochainement, ils vont prolonger le portail, je l'espère. Mais pour l'instant, c'est pas comme, genre, je vous avais dit que sur la CIA, ça restait un mois, tout ça, 40 jours. Là, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Donc c'est tout. Et puis voilà, de toute façon, la date, ça reste jusqu'à quand? Jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a largement le temps. Mais voilà. Donc c'est tout les gars. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est pas grand chose, mais je voulais vraiment vous en parler. On va terminer la vidéo avec l'invocation. Et n'hésitez pas à aller voir le live légendaire qu'on a fait. La vidéo invocation légendaire sur le compte secondaire Arima que j'ai fait. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo analyse de Yamori Kakuja. Voilà, qui sortira aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci pour la force. Et voilà. Donc c'est tout, on termine par l'invocation. Et let's go. Voilà, bon, on n'a pas de SSR, voilà. On termine, voilà, par ça. Donc c'est tout. Allez les gars, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Monsieur Phoenix. Et sur ce, bye.